La caméra est morte. Alors, ça commence bien. Elle est vraiment morte mochement en plus, quoi. Attends. Désactiver. Activer. Suspense. Non. Pourquoi elle est morte? J'en sais rien. On n'a rien C'est fait. franchement. Ça commence tellement mal. C'est là, mais non, mais on l'a pas bougé, à moins qu'un chat soit passé derrière. Désactiver. Activer. Ah, ça y est. Mystère. Bonjour à tous et à toutes. C'est cool si vous nous entendez bien. J'espère que maintenant vous nous voyez bien aussi. Super début de live avec la caméra qui marche pas. Franchement, je l'avais jamais faite. C'est authentique comme ça, tu vois, c'est authentique. Authentique. Bonjour, attendez, je vais faire un petit tour des gens. Bonjour, Komokai, Mister DJ, Takarine, Erwick, Momo, Bigio, Gobelin d'Honneur, Céleste. Je suis très contente que vous soyez là aujourd'hui, en ce lundi 8 février. Je commence à dire les dates à chaque fois, je sais pas trop pourquoi. Bref. Que vous soyez sur Twitter ou sur YouTube, non sur Twitter, oh ça commence mal, sur Twitch ou sur YouTube, franchement les lundis c'est difficile les lives je trouve. Où que vous soyez. Où que vous soyez. Que vous soyez en live ou que vous Ah regardiez la rediffusion, vous êtes les bienvenus. Du coup on discute de création d'univers ou on crée un univers? Non, on va discuter de création de l'univers, c'est vrai que c'est une bonne question. Mais oui. avant, je vous invite. Comme d'habitude, si vous voulez nous soutenir, à ce B de ce côté là-bas sur Twitch, à vous abonner pour qu'on monte l'argent de la cagnotte Twitch. Je vous invite à vous abonner si vous êtes sur YouTube, à mettre un petit pouce bleu, mais on peut être à la fin du live. C'est bizarre si vous le mettez maintenant alors que vous n'avez pas vu le live encore. Bref. Allez sur Twitter. On n'a pas les super modérateurs qui vont poster les trucs pour moi. Du coup, il faut que je vous trouve mon lien Linktree pour tout mettre d'un coup. Mais allez, n'hésitez pas à aller me suivre sur. Personne ne l'a suivi. Bah, je crois pas. Je crois pas. Bah, il y a toi, quoi, mais t'es pas sur ton Oui, ordi. mais je peux pas poster les lives là tout de suite. N'hésitez pas à aller voir sur. J'y arrive pas. On va y arriver aujourd'hui. J'ai dit à Sansu Sur que ça allait être Discord. difficile. Bon. N'hésitez pas à aller vous abonner sur Twitter. Il n'y a pas mon Twitter, mais n'hésitez pas à aller sur Twitter en cherchant Aeklas. N'hésitez pas à venir sur le Discord d'1D4, à aller voir mes jeux sur itch.io, à Sur le aller Patreon. vous abonner sur le Patreon si vous voulez voir tout mon contenu. Bref, plein de choses. Tout est dans le Linktree que je viens de vous poster. Le sub est un peu plus à droite. Ouais, il est un peu loin. Il est beau, mon nouveau chat. Ah oui, t'as vu? T'as vu, je l'aime bien, ce nouveau chat. Il s'appelle Sieur Sansonnet. Vous avez l'habitude de le voir sur le live. Si vous êtes déshabitué, si vous êtes nouveau, tu vas peut-être te présenter, s'il y a des nouveaux. Oui. Par contre, il faut que tu parles un peu fort, je pense. Parce que... Pardon. Non, mais tu peux rester à ta place, juste parle un peu fort. Et bah, du coup, moi, c'est Sieur Sansonnet. Je suis scénariste et game designer, entre autres, de plein de choses pour l'audiovisuel et pour le jeu de rôle, forcément, vu que je suis ici. Voilà. Plus fort, regarde, ils disent plus fort. Ah non, plus fort. Je suis scénariste et game designer. Ok. Ok. Ouais, c'est un peu. Voilà. Je parle grave, désolé. Oui, il faut parler plus fort vu que c'est grave. Je vais rapprocher le micro de toi. C'est gentil. Donc, aujourd'hui, on va vous parler de créer un univers. Pourquoi on vous parle de ça? Pour plein de raisons différentes. J'allais dire une bonne question. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, mais parce qu'en fait, quand on fait du JDR, on se retrouve très souvent face à cette question de est-ce que je vais pas créer mon univers? Quand voilà, donc beaucoup de gens qui font du jeu de rôle créent des univers. Et moi, il y a plein de choses que je trouve très intéressantes à aborder dans la création d'univers. Notamment des sujets qui me tiennent à cœur, maintenant vous avez compris, comme le racisme, le sexisme, les discriminations, les oppressions systémiques, l'appropriation culturelle. Est-ce que j'ai fini mon bingo? Bah, ce n'est pas mal là déjà. Du coup,
on s'est dit qu'on allait vous faire un petit live. On allait discuter la création de l'univers avec vous. N'hésitez pas, bien sûr, comme d'habitude, à participer, à nous donner vos astuces, vos visions sur le sujet. Et voilà. Et puis comme ça, on abordera au fil du truc un peu tous les sujets qui me tiennent à cœur. Et voilà, la non-violence. Je t'aime, Merel. C'était une déclaration d'amour violente, mais bref. Même un univers existant, on crée des bouts. Non, pour moi, tous les releases créent de l'univers tout le temps. Oui. Oui. Ça, c'est. On sent dès le début l'envie de. Parle plus fort. Poser les questions, tu vois. Regarde, là, il y a la jauge de quand on parle. Ah ouais. Et quand toi, tu parles, et tu montes pas haut. Il faut monter plus haut. C'est pour être sûr que ça sature pas. Bref, on va commencer. T'avais pas. Genre, comment créer un univers? Qu'est-ce qu'on fait d'abord? Quand on crée un univers. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? Ouais. Il y a plusieurs approches possibles. Vas-y, balance. Alors, forcément, tout ce que je vais dire, ça parle de mon point de vue et de mon expérience en tant que game designer et auteur de jeu. Il faut que tu parles plus fort et que tu articules. Donc, ça ne vaut pas pour tout le monde, et particulièrement sur le terme de la neuroatypie, qui peut... Je vais tenir le micro, ce sera plus simple. Moi, je suis à l'aise avec un micro. Particulièrement sur le sujet de la neuroatypie, dont on a discuté dernièrement avec... 2-3 connaissances, je pense qu'on va dire ça, sur la question de par quel angle on aborde la création d'un univers. En fait, j'ai envie de dire par quel angle on abordera cet univers quand on jouera au jeu. Voilà. Donc, ceci étant dit, il faut se poser... Non, il faut pas se poser. Il y a des questions qui sont utiles de se poser. Par exemple, c'est quoi la proposition du jeu en lui-même, c'est-à-dire non seulement au niveau de son univers, mais de ce qu'on a envie de raconter avec, de ce qu'on a envie de jouer avec. Ça rejoint évidemment des théories qui ont déjà été écrites dans des articles vachement plus structurés que ce que je vais expliquer là, parce que moi, la structure, c'est pas trop mon délire. Tout ça pour dire qu'on peut, par exemple, aborder un univers sur sa proposition esthétique, on peut aborder un univers sur sa proposition de gameplay, de narrative aussi. Enfin, on peut aussi se poser la question, avant de créer l'univers, qu'est-ce qu'on veut proposer avec le jeu, et donc intégrer la création de l'univers à cette proposition de création, en fait, tout simplement. Et à partir de là, il y a aussi des questions, il y a plusieurs questions techniques à se poser, mais il y en a une que j'aime bien et qui résume pas mal, je trouve, pas mal de divergence au niveau de la création d'univers dans les jeux de rôle, et dans les jeux en fait en général, c'est est-ce qu'on veut simuler une réalité ou est-ce qu'on veut émuler une réalité? Et là, ça devient costaud là tout de suite. Alors avant que tu continues... Vas-y, je fais une pause. Parce qu'en fait, alors du coup, mon but pendant tout le live, ça va être de l'empêcher de faire des monologues. Donc, parce qu'il est un peu passionné. Mais tu l'as pour me canaliser. Il y a plein de choses intéressantes qui se disent au fur et à mesure du chat. Déjà, c'est pas le monopole du conteur ou de la conteuse de créer l'univers, je suis complètement d'accord. Et après, je pense que la création d'univers ensemble peut complètement rentrer dans ce qu'on va discuter ici, dans le sens... Ou quand on se pose ensemble pour créer un univers, par exemple par des propositions de co-création, comme j'ai présenté hier sur Dragon Push, en fait, finalement, on va quand même se poser ces questions, et de quelle approche on va faire, et comment on va créer cet univers ensemble. Quelle approche on va prendre. Mister DJ nous demande déjà, qu'est-ce qu'un univers? Et qu'est-ce que ça implique? Bah, plein de choses. Selon ce qu'on répond à cette question-là, ça donne en fait... Je pense qu'il faut... C'est bien de commencer en posant sur papier ou sur un bloc-notes, enfin quoi que ce soit, quoi. Mais disons que se poser cette question-là et de voir ce qu'on écrit comme réponse, et c'est ces réponses-là qui vont donner en fait... qui vont orienter en fait notre création, parce qu'on va naturellement répondre sur ce qu'on a envie d'aborder dans la création de l'univers. Donc en fait, on va jamais créer un univers complet au sens de d'une simulation de réalité persistante et autonome, voilà, le concept philosophique en fait de l'univers. On va créer
un paradigme, j'ai envie de dire un paradigme qui va exister en fait pour pouvoir faire émerger la partie de jeu de rôle qu'on veut, tout simplement. C'est hyper intéressant ce que tu as dit, le fait que finalement poser sa définition de l'univers, ça va amener à définir qu'est-ce que comment on a envie d'orienter notre univers. Mm-hmm. Parce que finalement, si ton univers, ça va être quelque chose qui est de l'ordre de, je sais pas, de l'articulation de plusieurs royaumes et des dynamiques politiques entre ces royaumes, si ton univers tu le conçois comme ça, bah, tu vas orienter ta conception d'univers là-dessus. Alors si ton univers, tu l'imagines vachement plus en termes géographiques, en termes... Wow, il y a un gros pavé. En termes de paysages, etc., tu vas orienter là-dessus, et ça va donner des jeux qui sont beaucoup plus contemplatifs, exploratifs, etc. Je trouve ça ultra intéressant. Mmh. Et parler de questions d'appropriation culturelle, ça dit aussi que tu as envie d'orienter ton univers sur les cultures qui vivent dans l'univers. Ouais, moi, ça, c'est un peu mon truc à moi, ouais. Il y a Tapis Virginia, salut Tapis, c'est la première fois que je te vois ici, je suis très contente que tu sois là, qui nous dit qu'un univers, c'est une liste d'informations qui se relie, pouvant être soumis à des lois globales. C'est intéressant comme... oui, je suis d'accord. C'est une définition très cosmique. Ouais, ça fait très... Mais en fait, là, du coup, ça fait vraiment approche world building, qui finalement se... Comment expliquer ? Je vois une grande différence... Système dose matter, on sait, vous inquiétez pas. Pour moi, il y a une grande différence entre vouloir créer un monde complet et autonome, comme tu disais, simulationniste, que ce que je vais faire plutôt, moi, dans mes romans, où je vais chercher à créer un monde complet, dont je connais toutes les informations pour pouvoir les utiliser, et créer un univers dans lequel on va jouer, parce que finalement, ça va pas être la même approche, ça va pas être la même façon, c'est pas les mêmes enjeux, quoi. Alors, la création d'une simulation d'univers ne passe pas forcément par le simulationnisme. C'est une légère nuance que je me dois de contredire. C'est pour le bingo, celle-là. Y a, en fait, une simulation peut être plus crédible par des artifices entre guillemets narratifs, mm-hmm, que par la vraie démarche de simulation par je sais pas, des statistiques, des itérations au hasard, enfin voilà, du random avec les GD machin, tout ça, même de la génération automatique en fait peut être plus crédible entre guillemets qu'un contenu travaillé si le générateur est bien fait, enfin plusieurs façons de faire, mais voilà, je précise juste ça. Comme au cahier. Nous dit créer un univers, c'est aussi créer un contexte de jeu qui permet d'aborder un certain nombre de thèmes que d'autres univers vont moins pouvoir traiter. Je suis complètement d'accord. C'est aussi créer à travers les règles et le système les possibilités offertes aux joueurs, et ça va l'orienter dans sa façon de jouer. Si on fait un système bourrin pour taper des mobs et des gobelins dans un donjon, on abordera moins facilement la question du racisme ou de l'impact émotionnel d'un perso lorsqu'il tue quelqu'un. Pour moi, c'est pas incompatible. Mais je pense qu'on va moins parler système que univers. Encore une fois, ça dépend de ton approche. Si tu as une approche. En fait, ça va se voir, ça aussi, à la réponse à la question qu'est-ce que c'est un univers. Si on aborde directement la question de ce qu'on veut raconter, même en termes de règles et de mécaniques dans le jeu, le système aura certainement une plus grande part et importance dans la narration. Du jeu, enfin du jeu qu'on est en train de créer, que si jamais on se pose même pas la question en fait. Voilà, donc le système dose matter, mais à différents degrés selon qui crée le jeu, je pense, et qui le joue aussi. Et en fonction de ce que tu veux faire. Enfin, en fait, du coup, je suis en train de dire depuis tout à l'heure, non, mais l'univers, tu peux le créer sans penser les règles. Mais en fait, mon prochain jeu, je suis en train de le créer à partir d'une idée de règles, en fait, et l'univers se crée à partir de là. Mais après, c'est un tout. Donc, c'est compliqué de dire ce qui est prioritaire, alors qu'en fait, un jeu de rôle, en tout cas pour moi, c'est de toute façon l'articulation de toutes ces questions-là sur est-ce que... Enfin, on crée, on émule ou on simule, et je n'ai pas encore expliqué la différence, mais je l'expliquerai après. On émule ou on simule une réalité dans laquelle on va jouer et qui est créée pour être jouée. Et en fait, pour moi, le vrai... Comment dire ? La vraie question à se poser là-dessus, c'est vraiment quelle partie type on veut générer. Et le but, après, toute la création doit être orientée dans le... Enfin, doit... A priori, la création est orientée dans la direction d'une partie, on va dire, standard, même si c'est complètement virtuel comme concept, hein. Il n'y a aucune partie qui est standard, mais disons qu'on essaye de tendre vers une partie idéale qu'on a en tête, et que le jeu, dans sa création, va normalement
si c'est bien fait, tendre vers cette partie idéale, quoi. C'est marrant parce que c'est vachement l'approche de la création d'un jeu PBTA. Qui est, oui, peut-être. Ouais, enfin, genre, c'est vraiment ça, c'est t'imagines ta partie idéale et tu vas créer ton jeu à partir de là, en fait. Mais pour moi, tu vois, les PBTA, ils tiennent plus de l'émulation que de la simulation. Parce mais là, fait, on n'est pas sur créer un univers depuis tout à l'heure, on digresse. Je sais pas, c'est des questions liées, je trouve. Ouais, mais il y a Hervé qui nous dit qu'on digresse. Yes. Big Yo, pour répondre par rapport à l'appropriation culturelle, on en parlera un peu plus tard dans le live. Je sais qu'on n'a qu'une heure, mais moi je tiens à en parler. Mais c'est un sujet très compliqué, très complexe, sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Donc on en parle un poil plus loin dans le live, je pense, parce qu'on n'en est pas encore là. Mais il faut qu'on avance si on veut y arriver. Ça peut être intéressant quand... Oui. Donc Erwick, on digresse. Comment on crée un univers et pourquoi ? Comment on crée un univers et pourquoi ? Non mais en fait, je pense que la question c'est quels sont les éléments que tu vas mettre en place pour créer ton univers, tu vois. Oui. Mais du coup, on part de ce que tu as dit, mais peut-être qu'on peut donner des trucs concrets, tu vois. Ouais, bah après en fait, une fois qu'on a posé les intentions, en fait, une fois qu'on a posé les intentions de l'univers qu'on veut créer, il faut simplement, en fait, je pense, faire des essais, faire des tentatives. Il faut jouer, je pense, son univers pour que ça marche. Et du coup, implémenter ces choses-là dont on a parlé. Ouais, mais là, tu pars trop loin. Enfin, comment on crée un univers ? Comment on crée un univers ? Bah, écoutez, si j'avais la réponse définitive, je vous la dirais. Mais non, mais il y a des pistes, tu vois. Mais... Enfin, est-ce qu'on ferait pas juste une parenthèse émuler, simuler, parce que je crois que Guillaume, ça l'intéresse. D'accord. Tu fais ta parenthèse et après moi je donne des pistes concrètes de création. Mm-hmm. Okay. Et ben moi je suis pas très fort sur le concret, je vais venir sur l'abstrait. Mais... Ouais, alors que moi je viens de l'anthropologie en fait, donc du coup moi j'ai des trucs concrets, tu vois, sur comment. Mais même l'anthropologie c'est une partie, ça peut être une partie très fine. Oui, non, mais ce que je veux dire c'est que c'est comme ça que c'est ça qui a construit mon approche. Bon, bref, tais-toi. Émuler, simuler. Émuler ou simuler. Pour moi la différence entre émuler et simuler, elle se voit dans les jeux quand tu... En fait, la question, c'est de se dire, est-ce qu'on veut projeter une réalité virtuelle au sens imaginaire, quoi, qui soit crédible de manière rationnelle ou qui soit crédible de manière ressentie, en fait. Ce qui, parfois, peut être les deux, en fait. Les deux peuvent provoquer, en même temps, un ressenti et une simulation crédible de réalité. Mais l'approche simulationnelle et non pas simulationniste. L'approche simulationnelle, c'est de dire on veut un univers qui soit le plus crédible possible dans la façon qu'il a de fonctionner. Mm. Notamment, par exemple, en explorant les concepts d'appropriation culturelle et d'anthropologie et tout ça. Là où l'émulation, ce serait plus une idée de dire on veut qu'il soit crédible par la façon dont on ressent l'univers plutôt que de la façon dont il fonctionne. En termes de mécanique. Pour moi, les deux sont ultra complémentaires, en fait. Ah, oui, tu peux pas faire l'un sans l'autre. Ah non, non, en fait, c'est plutôt tu vas concentrer ton effort sur l'un pour amener les deux, en fait. Je sais pas si c'est clair. C'est un peu genre le degré d'ordre et de chaos de ton jeu. Tu vois, tu te concentres sur son aspect très particulier ou son aspect très général, ça peut produire la même chose, tu vois. C'est juste que c'est une approche différente. C'est un habillage, en fait, tu vois. Je pense. Je sais pas, c'est pas clair dans ma tête. Il y a Guillaume qui dit, intuitivement, j'appelle ça faire la différence entre la vérité et le vraisemblable. Oui, voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ça me paraît vachement plus clair quand il dit ça. Mais après, ça, c'est pareil, c'est un axe qui est très arbitraire, parce qu'il y a plusieurs façons. Simuler, ça peut se faire de plusieurs façons, émuler aussi, tu vois. Genre, par exemple, appliquer une esthétique... qui va se retrouver, qui va faire l'essence de ton univers, ça peut être une façon d'émuler, tu vois. Après, appliquer toujours le même schéma d'histoire, par exemple, ça peut être une autre façon d'émuler quelque chose, d'émuler un genre d'histoire, tu vois. Genre, par exemple, les PBTA, et notamment Mask, du coup, si on prend l'exemple de Mask, ça émule le genre de super-héros, parce qu'en fait, toutes ces bases, tout ce qu'on voit de l'univers, c'est exprimé à travers des concept, en anglais c'est du coup c'est un peu le concept de trope en anglais,
mais c'est exprimé à travers des tropes qui viennent du genre super-héroïque. Donc forcément, c'est un feeling de super-héros, tu vois. Mmh. Après, on n'est pas en train de simuler fait, et on simule pas la vie d'un super-héros. Voilà, parce qu'en fait, quand le super-héros va aux toilettes, c'est pas trop ce qu'on a envie de raconter, tu vois. Même si ça pourrait être drôle, ça pourrait être un détournement des codes intéressant, mais ça reste un détournement. Comment il fait pour enlever son caleçon par-dessus ses collants? Enfin, genre, comment il fait pour sa combinaison pour aller aux toilettes, tu vois? Bref. Ouais, bah, donc... je pense qu'il y a une fermeture éclair quelque part. Créer un univers, concrètement. Là on a parlé de la philosophie, de la structure, etc. On a fait du senso, quoi. Créer un univers, concrètement. Moi, je l'ai fait de plusieurs manières. Oh là là, ça part sur des questions. Questions philosophiques encore dans le simulationnel et simulationniste. Est-ce que, genre, on peut dire que à la fin du live, tu fais un petit une petite explication sur un des quatre. Ouais. Non mais je l'expliquerai peut-être plus en détail dans un billet écrit. Ouais. Ça sera peut-être mieux. Si jamais il y a des questions comme ça. Du coup, créer un univers. Du coup, moi j'ai eu plusieurs approches dans ma vie pour créer un univers complet dans lequel on peut vraiment. En fait, je pense que déjà, il faut savoir si on veut créer un univers qui est complet, qui donne toutes les clés d'utilisation, ou est-ce qu'on veut créer un univers sur lequel on va jouer et inventer au fur et à mesure. Je pense que c'est deux approches qui sont extrêmement différentes. Moi, je pense que là, je vais plutôt vous parler de la deuxième, de la première plutôt, parce que c'est ce que je maîtrise le mieux, parce que c'est ce que j'ai le plus fait, notamment dans le milieu du roman, mais aussi pour des jeux... Donc petit background, juste, moi j'ai une formation d'anthropologie et un master en sciences des religions. Et du coup j'ai travaillé avec des gens et pour des gens, pour rendre cohérent leur univers, apporter de la granularité à leur univers et apporter de la cohésion, de la cohérence et de la richesse, la profondeur. Bref, et du coup ça passe exactement comme Tapis Virginia le dit, par une Bible qui peut être totalement écrite ou qui peut être... Est-ce qu'il ne parlait pas de la Bible aussi? Je ne suis pas sûre. Non, je pense qu'il parle de la Bible de... Parce que théoriquement, la Bible, elle crée un univers aussi. Mais bon, c'est un autre sujet pour... Moi, je parle d'une Bible d'univers, du coup, qui est un document... La Bible est-elle un jeu de rôle? Des vraies questions. Qui est donc un document dans lequel on va venir expliquer l'importance, les choses qui rendent notre univers unique. Donc ça va être en partie, enfin il y a plein d'axes à voir, il y a la partie géographique, la partie, enfin géographique et tout ce qui va avec, on peut approfondir dans la géologie, etc. Mais bon, moi je vais pas jusque là, si je l'ai fait pour un truc. Ça c'est une approche très universitaire de la création de l'univers. Ouais, oui, oui. Ouais. Complètement. Il va y avoir une partie, je parle de Bible d'univers et tout, après, une partie plus anthropologique sur l'humanité, ou en tout cas les peuples présents. Est-ce qu'on a différentes races? Est-ce qu'on a une seule espèce? Est-ce que comment ils vont venir s'intercaler, comment ils se diversifient en leur sein, et là on rentre dans une approche culturelle, une approche religieuse, une approche politique, comment ils se forment, s'harmonisent. Ils s'harmonisent, ouais, c'est pas... Se répondent entre elles. Se font écho. Non, c'est pas ça que j'essaye de dire. comment ils s'institutionnalisent, en fait? Est-ce qu'il y a un pouvoir politique? Est-ce qu'il y a plein de petits clans? Comment ils font corps, ouais. Un PowerPoint. Désolée, j'ai pas de PowerPoint là, c'est vraiment. Et du coup, quand on est dans un univers fantastique, effectivement, ou fantasy, il va y avoir aussi la magie. Comment elle se crée, comment elle fonctionne. Bref, c'est des règles d'univers qu'on va venir écrire dans un document. Si vous voulez, je vous partagerai. J'ai un truc extrêmement complet avec en détail tout ce qu'on peut inventer dans un world building, dans un document de world building. Et comment il s'articule, oui. Et comment tout ça fonctionne. Et pour moi, la chose la plus importante dans la création d'un univers, c'est la cohésion entre toutes ces choses-là. Et du coup, là, il y a plusieurs approches face à ça. Okay, quand on veut créer un univers, est-ce qu'on part de quelque chose d'existant
et on va le remanier, le réécrire et le émuler, c'est pas le bon mot, et le refaire pour en le faire dans notre univers. Donc là, on part par exemple, je vais vous donner des exemples très concrets, mais dans Arya de Fibre au Tigre, dans Game of Thrones, il prend la culture turque, il va prendre une culture arabe, etc. Il va partir de ça pour en faire un pays à part entière, avec sa façon de se gérer et sa culture, etc. Et là, on va arriver sur l'appropriation culturelle. Mais d'abord, et de l'autre côté, on peut partir de zéro et tout inventer. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué. C'est beaucoup plus dur de partir de zéro et d'inventer. Même si on va, dans cette partie-là aussi, je pense, s'inspirer de plein de choses. Mais tu vois, c'est l'approche... Je vous parle d'Eldercraft parce que je travaille avec Eldercraft. Hein, mais du coup, chez Eldercraft, il y a Arya, fait par Sudeg, et il y a Orest, fait par Sébastien. Et au reste, il part de rien, entre guillemets, et il va venir choper des inspirations à droite à gauche et construire quelque chose à partir de ça. Alors que Fib, vraiment, il prend des trucs qui existent déjà et il les articule entre eux. Maintenant, la question de l'appropriation culturelle. Est-ce que je rentre direct dessus ou est-ce que tu as autre chose à dire avant? Je peux le dire après, sinon... Non, ouais, ça, c'est plutôt bien articulé, vas-y. Ouais... Oui, Pigio, voilà. Oui, on peut citer Warhammer, Seven Seas, la légende des 5 anneaux, en monde inspiré par le réel et déformé. Oui. Et du coup, là se pose la question, je vais remonter pour retrouver la phrase exacte de Pigio. Je fais la petite musique. Vous entendez sûrement les cris d'enfants dans le couloir, c'est un peu moins ouf. Si tu t'inspires d'une culture qui n'est pas la tienne, est-ce que c'est problématique? Comment le gérer? Si l'utilisation d'une culture en question est là pour rendre hommage ou faire réfléchir à des thématiques, pourquoi pas sur le colonialisme, etc. Si vous voulez des réponses en détail, allez vous abonner à mon Patreon, parce que j'ai écrit quelque chose qui s'appelle « Pourquoi je ne ferai pas un article sur l'appropriation culturelle ?» Je crois que j'ai mis un « peut-être ». Pourquoi je ne ferai peut-être pas un article sur l'appropriation culturelle ? Gardez le suspense. Parce que, en fait, l'appropriation culturelle, c'est un sujet qui est extrêmement débattu de base, mais qui, dans la fiction... le débat est encore plus il est peu adressé non mais il est encore plus débattu parce que il y a une autrice par exemple dans un discours de début de remise de prix je crois bref qui a dit qu'est-ce qui se passe enfin genre si on enlève à l'auteur le droit de se mettre, enfin le fait de se mettre à la place des autres pour écrire, est-ce qu'il reste quelque chose? Et donc là se posent vraiment beaucoup de questions. Par où je pars? Posez des questions déjà. Ah mais non, mais il y a trop de choses. Je peux pas faire un live sur la population culturelle en une demi-heure. C'est vrai. C'est pas le sujet. On peut juste dire qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de questions à se poser. pour moi, il y a des questions à se poser qui sont déjà, ok, je vais y arriver. Je pense que, en fait, je vais rouvrir mon article juste parce que je crois que j'ai mis à la fin les trois questions qui, pour moi, sont les principales à se poser pour l'instant, là où on en est, nous, dans la réflexion, en tout cas moi. Et qui sont pourquoi emprunter un élément culturel en particulier? Est-ce que c'est vraiment intéressant pour l'univers ou est-ce que c'est juste pour surfer sur une mode? Je pense notamment au vaudou qui est beaucoup repris, transformé, modifié pour servir de base de fantaisie, de magie, alors que c'est une croyance. Est-ce qu'on peut prendre la croyance de quelqu'un pour en faire un objet de fantaisie? Il y a eu l'histoire de J.K. Rowling aussi avec les... Ouais, les bah pareil, il y a ouais. Pas longtemps. Bah, J.K. Rowling qui, sur le site, son site d'Harry Potter, là, crée un système de fantasy, de magie à partir de la culture Navajo, donc une culture amérindienne, et c'est pas... Enfin, est-ce que c'est respectueux de faire ça, quoi? Du coup, derrière, autre question à se poser, à quel point ce qu'on veut faire, notre travail respectueux de la culture en question? Je pense notamment du coup à Fibotic qui était en réflexion sur le vaudou. Est-ce qu'il faudrait pas échanger avec quelqu'un
concernés sur le sujet. Et si oui, il faut le rémunérer. Du coup, après, toute la question se pose de est-ce qu'on écrit un univers pour en faire quelque chose de commercial ? Est-ce qu'on l'écrit pour nous ? Pour moi, quand la question est commerciale, si on est une personne blanche qui publie sur un univers qui est d'une culture qui ne nous appartient pas, est-ce qu'on est légitime à se faire de l'argent à la place des gens concernés ? Bref, plein de questions à se poser. Et si vous voulez plus de réflexion, n'hésitez pas à venir sur mon Patreon ou même à m'en parler directement. Voilà, je vous ai fait un petit aperçu de toute la question hyper profonde, hyper compliquée que c'est. Et là, on va repartir sur le sujet de créer un univers. J'ai l'impression de m'être perdue, je me sens pas bien. Non, c'est bon, t'inquiète, c'est géré. Ce n'est pas un live sur l'appropriation culturelle, donc c'est normal qu'on ne soit pas allé dans le détail à fond. Merci. Mais what ? Il a été... Tu l'as banni, Céline, j'espère ? Parce que cette personne... c'est pas possible, en fait. C'est la première fois que je vois un troll sur mon chat. Eh bien, écoute, premier troll. J'espère qu'il a été banni, Céline. Et merci d'être là. Il y a des questions des profits de l'œuvre qui se servent d'appropriation. Oui, bah, du coup, c'est ce que je citais. Bah, c'est surtout là, ouais. C'est pour moi la question principale. C'est surtout dans un cadre commercial. Je pense que la plupart des gens qui créent un univers ne commercialisent pas. Donc, voilà. Mais ça peut aussi entrer dans les intentions de création de base quand on répond à la question sur un bloc-notes de qu'est-ce qu'un univers, quoi. Pour répondre à Erwick, parce que du coup c'est vrai que j'ai pas cité le problème de la domination en fait dans tout ma diatribe là sur l'appropriation, la culture américaine étant mondiale voire majoritaire, est-ce que c'est faire des trucs à l'américaine, c'est l'appropriation culturelle? Non. Du coup je l'ai pas cité, mais la problématique elle se pose sur la question de domination empruntée à une culture dominante comme à l'américaine, est-ce que ça pose pas problème en qui soi. Se veut ouverte aussi. Qui se veut ouverte, oui, aussi. Mais bon, bref, tout ça, c'est plein de choses très intéressantes qu'on n'abordera pas entièrement. Mais en tout cas, vraiment, le contexte de domination se pose et le contexte, enfin, et la question du respect. Voilà, pour moi, c'est le cœur du truc. Céline, c'est une grosse question de la création d'univers, l'appropriation culturelle, parce que la question c'est crées-tu des cultures, empruntes-tu des cultures ? C'est exactement ce qui a commencé mon long discours sur l'appropriation culturelle de Céline, donc TKT. Les gens me disent que ça va, j'ai fait des trucs bien. Merci. Ouais, un jour on parlera de la création d'univers du point de vue de la recherche littéraire. Pour en revenir à créer un univers, quand on veut faire du jeu de rôle, comment on crée un univers ? Mais oui, excellente question. Vu qu'on est là, je propose d'y répondre en partie. Vas-y. Peut-être comment toi t'as créé l'univers de ton jeu de rôle en fait ? Ben, y en a plusieurs. Genre partage d'expérience, tu vois ? Il y en a plusieurs. Alors, si, ah oui, il y a un truc que je voulais dire, c'est par rapport à la magie. Oui. Qui a été mentionné tout à l'heure, comme quoi c'est facile, c'est pas facile. J'ai envie de dire, j'ai envie de donner une réponse à la capitaine Haddock. Oui, je suis un vieux dans ma tête. c'est à la fois très simple et très compliqué. Je pense que ça dépend déjà de qui tu es, de comment tu réfléchis, et ça dépend de... Oui. Enfin, tu vois, c'est la question... On a parlé hier d'Oroa Tipeee, et en fait, c'est vraiment ça. Pour certaines personnes, ce sera facile, pour d'autres, ce sera difficile. Next, quoi. Mais je pense que l'appréhension de ce qu'est la moelle est reconnectée. C'est 10% de ce qu'on crée dans la narration. Attends. Est-ce que vous nous entendez ? On va attendre que les gens reviennent avant. Normalement, vous nous avez retrouvés. C'est good. Ok. Je pense que c'est good. Parfait. C'est OBS qui a raté. Il a raté une marche de l'escalier. Donc, revenons. Donc, tu disais quoi ? La magie, c'est très simple, mais c'est très compliqué. C'est à la fois très simple et très compliqué. En gros, définir ce qu'est la magie de base, c'est déjà compliqué, même en dehors de la création d'univers, des jeux de rôle et tout ça. Donc en fait, je pense qu'il faut s'accorder, avant de créer un système de magie, sur quelle magie on veut créer. Est-ce qu'elle est unique ou plurielle ? Est-ce qu'elle est plus conceptuelle ou pratique, en termes de règles, je veux dire ? Parce que... Je pense que la définition, en vrai, de la magie, en tout cas dans le dictionnaire, la définition de la magie, c'est une force qui défie et qui
détourne les lois naturelles du monde. Donc à partir de là, c'est en fait la création de règles de magie fonctionne, à mon sens en tout cas, normalement comme une comme la création d'exceptions aux règles de base de l'univers. C'est-à-dire que chaque sort est en quelque sorte un détournement des lois, on va dire implicites, genre les lois physiques, les lois humaines, les lois de la société et tout. La magie en fait détourne ces trucs-là, y compris les règles du jeu, les mécaniques, pour permettre des exceptions dans la narration, dans le jeu, dans le fonctionnement du truc. Quoi. Vous avez jamais pensé à la magie comme ça, c'est trop bien. Voilà. Après, attends, je peux citer les commentaires avant que tu relances la suite. Je voulais juste dire que tout le monde n'avait pas cette même approche-là. Et c'est normal, en fait, parce que c'est une approche un peu compliquée. Mister DJ nous dit... Ça dépend aussi de la dimension que tu veux donner à un sujet, magie comprise, tout dépend de ce que tu veux en faire et comment tu veux que ça évolue. Sandrine qui nous dit qu'il adore les lois de Sanderson entre soft magic et hard magic. Yes, c'est excellent. Vas-y, ça. Qu'est-ce que très c'est bonne référence. La soft magic, c'est partir du principe que la magie est inexplicable et grandement inexpliquée dans le monde. C'est-à-dire que c'est vraiment prendre le biais faire le choix en gros de laisser la magie dans le domaine de l'inexplicable et du merveilleux de machin, et donc de lui laisser, comment dire, plus la magie sera sans contrainte et sans règles clairement établies, et moins elle devra intervenir dans la narration, parce que du coup il y a un gros risque que c'est un effet Deus Ex Machina, facilité narrative et tout ça. Et à l'inverse, j'ai pas fini la description, mais je reviendrai dessus après. À l'inverse, le hard magic, c'est une magie très contrainte, notamment qui peut faire partie des contraintes narratives, mais des contraintes mécaniques surtout, qui font que on perçoit très bien les limites de son utilisation. Et après, le système de Sanderson, c'est un genre de spectre entre ces deux extrêmes-là. C'est-à-dire une magie complètement libre et informe. Et on va dire, ouais, c'est ça, non, c'est bien résumé, informe. Et de l'autre côté, une magie très structurée, très, très définie, mais du coup très, aussi très limitée. Enfin, avec des limites très claires, quoi. Et du coup, la question de est-ce qu'on a un système hard ou un système soft, c'est de dire à quel point on veut utiliser la magie dans les procédés narratifs. C'est-à-dire dans l'histoire, si on veut faire intervenir la magie comme une composante de l'histoire, c'est plus simple avec des contraintes claires, parce que du coup on a conscience des enjeux que crée la magie. En prenant un exemple, par exemple, le fait d'avoir des composantes à dépenser pour lancer un sort, ça contraint le joueur à aller chercher ses composantes. Ça implique qu'il y a peut-être une rareté de l'utilisation de ces composantes, enfin, ça crée toute une toile d'implications d'enjeux, quoi. Là où une magie soft, c'est juste je peux faire du feu, je fais du feu, quoi. Et après, c'est à la narration de s'adapter au fait que tu sois capable de faire du feu n'importe quand, n'importe où. Et moins tu as de limites à faire du feu, et plus ça va être peut-être compliqué à l'histoire s'articuler autour de ça, tout en restant un peu cohérente, parce que si genre t'arrives face au château du grand méchant et que tu mets juste le feu au château, il est mort, tu vois. Ou alors il survit au feu, mais ça va vite être très concours de puissance un peu abstrait, c'est pas forcément facile. Next. Voilà. Désolé si c'était un peu long. Tapis Virginia nous dit « Je trouve que pas mal de créations manquent d'idées fortes ou d'axes. À la question quel est l'élément qui fait que ton univers est intéressant ?» et que la réponse est « Il y a plein de trucs partout. » Et à quoi Komoka y répondait « Je suis d'accord, une idée forte, c'est important pour donner une profondeur à l'univers. » Moi, quand je crée un univers, quand je crée un jeu, en fait, de manière générale, ou une histoire, ma première idée... ça va toujours être un what if, qu'est-ce qui se passe si quelque chose de fort. Par exemple, ma trilogie, mon univers, c'est what if une île coulait sous la mer. Bon, c'est très atlantide, hein, mais bon, bref. Et surtout, c'est what if une île coulait sous la mer et il y avait des survivants.
à la surface. Par exemple, pour Myth, qui est le jeu, un des jeux sur lequel je travaille, c'est What if les héros et monstres grecs revenaient à la surface de la Terre. Et finalement, je trouve que c'est intéressant de penser son univers en termes de d'idées fortes, dans le sens, donc je suis grave d'accord avec toi, Tapis, parce que ça va donner une profondeur à ton univers et un sens dans lequel travailler aussi ton univers. Je pense que même pour Osmose, ça part de... Enfin, le cœur, le truc central, c'est traversée des univers, le multivers, quoi. Mmh. Oui, c'est ça. Mmh. Bon. Et après, en fait, moi, je me suis vraiment concentré sur la définition la plus claire possible et la plus libre d'interprétation possible aussi, de définir le schéma actantiel, je sais pas si tu vois ce que c'est. Non, et il faut que tu utilises d'autres mots. Le schéma actantiel, aka... Non, mais utilise d'autres mots. Le schéma de l'histoire, en gros. Ah, le schéma narratif d'une histoire. Ouais, mais c'est le terme technique. Il faut que les gens puissent se documenter. Le schéma narratif, ça s'utilise, en fait. Oui, c'est vrai. Mais c'est le terme qui est utilisé dans la théorie réaliste. Voilà, bref. Voilà. Le schéma de la narration, clairement identifiable et rattachable à un univers, ça va renforcer l'univers. Et l'univers va nourrir ce schéma aussi, notamment par les façons qu'on peut avoir d'en dévier après. Mmh. Voilà. Mais du coup, je trouve ça hyper intéressant que dans la recherche d'une cohésion et d'une profondeur à l'univers, de partir d'un élément fort qui donne vraiment un but à ton histoire. Enfin, je pense par exemple au Réuniverse de Vivien Féasson. ça part d'une idée forte qui est que les enfants... J'ai commencé à le lire hier, donc je suis peut-être pas au point. Mais qui part que du fait que, et si les enfants partaient et étaient dans un univers où il pleut tout le temps? C'est de l'horreur enfantine. C'est de l'horreur. Enfin bref, du coup, il y a un truc qui est central et qui est au cœur de l'histoire. Bref, je suis d'accord. Et là, vu que pour leur univers, vu que les systèmes de jeu changent à chaque fois, non pas à chaque fois, mais souvent, c'est vraiment le genre d'histoire qui s'y déroule, et notamment la proposition de jouer des enfants, plus ou moins enfants, ça dépend l'âge, mais en général c'est dans le spectre de l'enfance, quoi, dans un univers où ils sont confrontés à des trucs qui sont vachement durs et vachement hardcore pour leur âge, notamment pour leur âge, mais déjà pour des adultes c'est chaud, mais pour des enfants c'est pire. C'est vraiment le genre de l'horreur enfantine, et spécifiquement vous jouez des enfants dans un univers où il pleut tout le temps et il y a des sirènes qui apparaissent, voilà quoi. Gobelin de Nord, ce qui me dit, pour en revenir au thème de départ, moi je pars de ce que j'ai envie de jouer, puis je donne du corps, j'essaie d'imaginer ce qui va autour de ma situation de départ. Je n'écris rien une fois, j'écris et je laisse de côté, puis je reprends, les idées décantent, de nouvelles idées viennent, ensuite j'essaie de faire un système au jeu lié à mon thème, enfin mes joueurs apportent au monde des idées que je développe entre les parties. C'est une très bonne méthodologie, je pense. Je pense qu'elle conviendrait pas à tout le monde. Et je pense qu'un peu le fond du créer un univers, pour moi, c'est faites comme vous, ça vous semble bien. Mais bon, bref. Enfin, surtout comme ça vous correspond et comment vous pensez les choses, comment vous pensez un univers et une fiction. Je pense qu'il faut tout essayer. Et la façon qui vous conviendra le mieux va rester de ce que vous aurez essayé, en fait. Et après, il faut juste continuer. Ça se fait pas en une fois, quoi. De toute façon, on ne crée pas un univers en un jour, en tout cas. On peut, mais ce sera des choses différentes. Comme le disait Sandrone sur les voies d'Altarid, et c'est comme ça que j'ai découvert les voies d'Altarid, d'ailleurs. Ils ont déjà créé, avec un outil, un univers en une partie, en une heure. Oui, mais en fait, ça rejoint l'idée... Genre avec Microscope. Le jeu Microscope, tu crées un univers en une partie de jeu de rôle. Ça rejoint l'idée de dire qu'à chaque fois que tu entres en création dans l'univers ou en jeu, et tu vas continuer de le créer, tu vois. Donc en fait, il peut se créer en un jour comme en 1000, c'est juste 1000 jours ne donneront pas le même résultat qu'un jour de création, quoi. Oui. Ce qui ne hiérarchise pas du tout les créations entre elles, quoi, mais ce sera pas la même chose. Tagarine nous demande, en JDR, on se repose parfois, souvent, sur la capacité des joueuses à se projeter dans l'univers. Peut-on créer un univers trop complexe? Jusqu'où l'imaginaire peut-il nous permettre de créer sans perdre les joueurs? Faut-il se poser des limites à ne pas franchir? C'est hyper intéressant ce que tu soulèves là, parce que je pense que c'est quelque chose qui bloque énormément de joueuses dans des univers
où la créatrice, et souvent qui est MJ, a inventé quelque chose d'énorme avec une bible énorme. Et en fait, les joueuses se retrouvent face à ça, à devoir découvrir l'univers tout en se projetant dedans et en le parcourant. Et finalement s'y perdent. Et ça frustre autant les joueuses que le MJ, en fait. Mais en vrai, moi, je me suis retrouvée dans une situation où je voulais faire jouer du Dragon Age, dont je connais et maîtrise parfaitement, ou presque, le lore, et donc l'univers, avec des joueuses qui le connaissaient très peu, voire pas du tout, ou en tout cas pas aussi bien que moi, et c'était ultra frustrant. Donc, finalement... Est-ce qu'un univers trop développé et trop précis est plus intéressant qu'un univers plus lâche et plus souple dans lequel les joueuses vont pouvoir apporter leurs pattes? On n'a même pas parlé des personnages aussi. Je me suis fait la réflexion. Ouais, ouais. Parce qu'on peut aussi dépeindre un univers par les personnages qui y vivent dedans aussi. Ouais. Mais du coup, oui, Tapis Vigilant, pour dire régler ça, j'aime le principe d'univers souple. Et j'ai raté la fin de la phrase, puisqu'il y a trop de messages sur lesquels je suis en retard. Donc je vais vite passer tous vos messages, et ensuite on reprend. C'est quoi l'axonerie? On en reparlera. Qu'est-ce qui se passe si des dragons apparaissaient à travers un trou de verre au-dessus du Pacifique? Très bonne question, Lixam. Ils se feraient nucléariser sûrement. Mais ça, je l'ai déjà lu. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus de cacaotiers dans le monde? Je pense que je fais une dépression et je n'en sors pas. Il y a beaucoup de chocolats qui ne sont même pas faits avec du cacao, donc peut-être qu'il y en a des gens qui ne remarqueraient pas. C'est vrai. Je cherche la cohérence et la justification dans un univers fictif, alors qu'en réalité, le nôtre est plein d'incohérences et d'incompréhensions. Tu parles des enfants perdus, Céline? Non, je pense qu'elle parle... notre univers dans la vraie vie. Oui, c'est une bonne question, en fait. Finalement, est-ce que... En fait, moi, je dis souvent que je cherche de la cohésion dans un univers, mais pas forcément à régler toutes les incohérences et les incompréhensions, parce qu'il y a toujours des choses qui seront incohérentes et incompréhensibles, je pense. Mais il y a des incohérences rationnelles et des incohérences narratives, c'est pas la même chose, déjà. Ouais. Une cohérence narrative peut être une incohérence rationnelle, et c'est pas grave. Et inversement, aussi. Mmh. Ça dépend de ce qu'on veut prioriser. Oui. Je suis grave d'accord avec ce que tu viens de dire. Mmh. C'est beau. Comme quoi j'arrive à résumer des trucs des fois. C'est ouf. J'ai l'impression aussi que plus l'univers est vaste, plus l'axe est enfoui dans le lore. Oui. Yes. Oui. Mais pour moi, l'axe, il devrait ressortir du lore, mine de rien. Mais après, ouais, c'est mon avis, en fait, et je pense que tout le monde ne pense pas comme ça. Moi, je trouve que les meilleurs univers sont ceux dont on perçoit en premier les limites, entre guillemets, dans le sens un peu comme les unités narratives au théâtre. C'est-à-dire qu'on sait que l'action de la partie va avoir lieu dans ce contexte-là, que ça va parler de ça, que ça va avoir lieu sur telle échelle de temps, enfin ce genre de truc en fait. Mm. Ça peut être n'importe quoi, hein, c'est n'importe quel type de contrainte peut marcher, mais quand on perçoit vraiment bien la contrainte, on a vraiment conscience de la marge qu'on a, autant en tant que MJ qu'auteur pour raconter un truc, ou que joueuse pour jouer le truc, et du coup on est plus à l'aise à s'approprier l'univers, je pense. Je suis assez d'accord. Voilà. Naetherion a fait une vidéo sur la création d'univers en faisant une différence entre la création du point de vue d'un game designer et la création du point de vue d'un MJ. Oui, pour moi, les deux approches de la création sont extrêmement différentes. Et je pense qu'on pourrait même ajouter à ça la création du point de vue d'un ou une auteurice. Et j'irai voir cette vidéo de Naetherion. Tu peux noter Naetherion quelque part? Yes. Tiens, il y a des post-it. Parce que je pense que je vais aller voir... Parce que ça a l'air intéressant. Attends, j'ai une trousse. Cool. Ne pas tomber dans le travers de la construction sans fin avec un jeu qui n'en sortira jamais, n'est-ce pas, Sanso? Ben, si on sait ce qu'on aime faire, j'ai envie de dire, on peut le faire. Hein. C'est beau. C'est juste que, voilà, il faut avoir conscience que ça crée d'autres contraintes après. Notamment le fait qu'il ne sorte jamais. Okay. Moi, je préfère créer un univers à partir d'une base existante. J'ai fait un univers pirate où je rajoute des créatures mythologiques pour que les joueurs découvrent au fur et à mesure. Mais l'univers de base pirate est facile à transcrire puisqu'il existe déjà dans l'imagination des joueurs. C'est... En fait, oui. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent à partir d'une base existante. Et ça va aussi dans le what if. C'est que finalement, ton what if, il part d'un point de vue de quelque chose de réel. Moi, mon what if, les dieux grecs, ils étaient dans notre monde contemporain.
Bah, il part de deux choses qu'on connaît, qui sont notre univers contemporain et la mythologie grecque. Après, je pense qu'il y a plein de gens qui partent pas forcément de bases existantes. Et ça fait des jeux un peu plus philosophiques, peut-être. C'est très très rare, je pense, en vrai. Ah ouais? Et toi, tu Même. pars pas d'une base existante? Tu pars d'une base existante plutôt? Pour Osmose? Ouais. Bah ouais, quand même. En fait, c'est plein plein de petites influences diluées que j'ai réappropriées, mais c'est vraiment pas la. Enfin, franchement, je le classerais pas dans un jeu qui soit vraiment classique, tu vois. Oui, La non, mais plupart clairement, c'est des pas un jeu jeux, classique, hein, voilà. mais. Genre, Orest, que t'as cité tout à l'heure, il se base pas sur des cultures réelles, mais ça veut pas dire qu'il se base pas sur des cultures déjà existantes, tu Ah vois. oui, non, et surtout, il se base sur une base existante, clairement. Et c'est juste qu'il s'inspire de plein de petits trucs. Mais ce que je voulais dire, c'était qu'il part pas d'un truc pour en extirper des machins, tu vois. Il part de rien et il en rajoute Bah des pour moi éléments. il part pas de rien, tu vois. Non, mais on part pas de rien, mais. Il part d'un genre, il part du genre Oui. en fait, SF, et après il va chercher des références du même genre SF qu'il agglomère et qui fait autre chose avec, tu vois. Ouais. Ce Oui, qui comme est. Céline Voilà. dit, t'es obligé de partir d'une base existence en tant qu'humain, en fait. Que Ouais, en fait je pense que t'as pas le rien que choix. parce que ton hypertextualité est issue de ton expérience du vivant. Je pense que t'as pas le Oui. choix. Ah, y a pas que moi qui sors des phrases alambiquées. Mais pour une C'est fois, bien. ça change. Puis Je je me sens moins seul. pense que le conscient taf, autant que l'inconscient, il y a une partie très sympa là-dedans, le fait de savoir ou ne pas savoir et de faire un mix des deux. Il y a un côté très crypté, en même temps, les très aléatoires et les deux sont très cool en soi. Tu comprends? En fait, des influences conscientes ou inconscientes, je pense, c'est ça. Ah oui. Et de dire, t'as des trucs qui sont inconscients et que, genre, on va te le pointer et tu vas faire, ah oui, c'est vrai. Carrément. En fait, l'univers peut être super précis ou complètement flou, il faut surtout qu'il soit bien expliqué. Si les gens arrivent à saisir le paradigme du monde, ça va rouler tout seul. Oui, et moi, c'est ce que je disais, enfin, je pense que c'est ce qu'il voulait dire à partir des limites, et ce que moi, je voulais dire à partir de l'axe, l'idée forte qui se reflète partout. En fait, si les gens ont ton idée forte dans la tête et les limites du truc, bah, ils font ce qu'ils veulent dedans, finalement. Enfin, pas ce qu'ils veulent, mais. Enfin, moi, dans mon paradigme, ils devraient pouvoir faire ce qu'ils veulent. Mais. Ils peuvent saisir l'intégralité de leur potentialité. C'est beau. Blablabla, blablabla. Je vais avancer parce que. C'est Non, mais bon, en fait, j'ai on est à la atteint. Donc, je peux fin. lire Céline. Sans que la contrainte est importante quand tu joues, et donc en JDR, mais je la trouve pas si importante dans d'autres supports. Parce que la contrainte pour toi, auteurice, crée l'opportunité de création pour la joueuse. Oui. Ok. Ok. On peut demander à Sansou ce qui lui plaît dans la création d'univers. C'est quoi les endroits de détail sur lesquels il aime passer du temps? Tous. comment dire? Pourquoi on ne demande pas à moi, wesh? C'est vrai ça. Vas-y, parle. Ce qui me plaît dans la création d'univers, Arrête déjà c'est. avec Pardon. C'est. Je pense que c'est la métaphysique, en vrai. Et ça ne va étonner personne, à mon avis. En fait, c'est d'être capable d'aller du plus infime détail jusqu'à la plus grande échelle de l'univers et de dire, on comprend d'où ça. Enfin, on comprend le chemin pour aller du plus grand au plus petit. Et d'être capable de tout connecter après avec des blancs, en laissant des blancs ou en reliant tous les points, quoi. Mais que ce soit juste possible, je trouve ça cool. Voilà. Et du coup, après, bon, imaginez comment une magie pourrait marcher. Ça, j'aime bien aussi. Jouer avec les symboles dans la narration et dans les règles, je trouve ça sympa aussi. Enfin, voilà. Et non, le monsieur, il fait pas de la physique quantique, mais il fait beaucoup de philo, il s'intéresse à beaucoup de choses. Et voilà, tu fais pas de la physique quantique. Non, mais la métaphysique, c'est pas du tout de la physique quantique. C'est plus de la philo qu'autre C'est une chose. école de pensée, la philosophie, je pense, surtout. Enfin, bref. Ce n'est pas une science mathématique. Mathématiques, ça marche pas. C'est une science des concepts. Ah si, c'est Ouais. pas une science mathématique. Les mathématiques peuvent être une science de concept aussi. Mais, c'est vrai. Genre, les mathématiques se rapprochent vachement plus de la philo que de la physique en soi. Ah, ce n'est Eh, j'ai peut-être pas vécu le. 3 ans avec un C'est mathématicien. peut-être pas le bon débat du jour, mais bref. Voilà. Bref. Moi, je vais répondre parce qu'il y a, y a, y a Via, y a Viaduc, il y a Constance qui m'a dit qu'elle voulait savoir mon avis. c'est quoi mon avis? Qu'est-ce que j'aime dans la création d'univers?
Je pense que du coup, on n'a pas parlé des personnages, mais moi concrètement, c'est les personnages que j'aime. C'est imaginer comment des personnages vont interagir avec leur background culturel, religieux, politique, etc. Comment la rencontre va se faire et se vivre entre deux personnages qui viennent de deux endroits différents. Parce que c'est quelque chose que je trouve beau dans la réalité et j'adore le penser dans des univers différents. Il y a le réveil moment qui vient de sonner. mais voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire et voilà. J'aime bien. Et c'est pour ça que du coup je pense beaucoup la question du racisme, du sexisme et des discriminations, oppression systémique, etc. dans les univers que je crée. Parce que, en fait, quand tu crées deux cultures, t'es obligé de penser... Enfin, deux groupes de personnes différentes, t'es obligé de penser comment elles ont des relations entre elles. Est-ce qu'il y a un contexte de domination? Est-ce qu'il y a un contexte d'échange? Etc. Et du coup, c'est hyper intéressant, je trouve, à mettre en lumière pour penser notre monde à nous. Et Céline dit qu'elle écrirait plutôt des romans que du JDR, parce que, pour pouvoir développer les personnages autant qu'elle veut, et bien moi je fais ça dans mes JDR. je crée des personnages, et j'adore aussi voir les personnages des joueuses, comment ils vont s'approprier l'univers, et comment eux ils vont vivre cette rencontre, et vivre ces éléments-là. C'est ultra beau à voir, et ça dit beaucoup de l'être humain, et voilà. Moi j'aime bien les êtres humains. L'interaction humaine davantage... Quoi, c'est limite le truc le plus exclusif où je dirais oui. Je suis assez d'accord. Komokai, on n'a pas lu ça. Moi je crée un univers qui va s'orienter autour de scènes précises que je veux faire vivre aux joueurs. Un grand démon millénaire revient d'entre les morts face à des joueurs impuissants qui doivent réussir à le vaincre quand même. Quel univers je crée autour de ça? Bah voilà, mais une scène précise c'est une idée forte en fait, mine de rien. Mm-hmm. Oui, c'est, du coup c'est, ça marche, c'est l'idée forte. C'est une proposition de jeu en fait. Ouais. C'est l'idée forte à la partir de laquelle tu vas créer ton univers. C'est comme mes what if de tout à l'heure. J'aime bien la poésie de la simplicité aussi. La poésie de la simplicité. Ouais. Tu vas faire des petits trucs, juste des petits détails. Genre par exemple la façon qu'il a d'écrire dans Rainiverse, là, tu sais, avec les fautes d'orthographe exprès, parce que c'est des enfants. Tu vois. Ce genre de petits détails qui donnent toute la saveur. Tu vois. Bah, moi, j'aime bien me concentrer sur la saveur d'un univers. Tu vois. Bah, je suis grave d'accord avec toi. Mais c'est hyper difficile de donner cette saveur C'est pour ça que sans j'aime bien, vraiment l'approprier complètement et le vivre à fond, tu vois. Mais effectivement, ça plonge plus vite tes joueuses dans l'univers, si tu lui donnes une saveur comme ça. Quand tu lis le Rainiverse, tu plonges complètement dans l'univers. C'est... Après, il y a aussi... Enfin, je pense qu'il y a peut-être une mini-parenthèse à faire aussi sur est-ce que tu veux donner à ta joueuse... un rôle plus d'auteur sur la fiction qu'elle va créer, ou si tu veux au contraire l'immerger complètement et qu'elle soit en train d'interpréter vraiment un personnage et pas de l'écrire en fait. Pour moi les deux devraient se confondre. C'est toujours une nuance des deux, je pense, mais c'est bien d'axer aussi, d'y réfléchir. C'est bien d'y réfléchir. Oui, c'est clairement bien d'y réfléchir. La position des joueuses dans l'univers et leur action sur l'univers et ta pensée, parce que mais voilà, là on revient sur les univers hyper touffus où finalement les joueuses ne peuvent rien faire parce qu'ils connaissent pas assez bien l'univers, tu vois. Donc la simplicité c'est aussi pouvoir permettre aux gens de juste s'y s'y noyer et être acteur dedans, tu vois. De la simplicité, l'accessibilité, ça aussi c'est un thème pour un autre live. Grave. Jeu de rôle pour faire vivre aux joueurs des histoires qui les font grandir à la manière d'un film qui traite un sujet important comme le racisme, par exemple. That's my life. Et pour répondre à Komokai sur sa dernière citation, du coup. Peut-être que dans un univers basé sur la performance et la compétitivité, les joueurs font moins attention aux interactions sociales. Alors, c'est les gens de That Game Company qui ont fait Journey, entre autres, Sky et Abzu aussi, qui disaient que le gameplay orienté vers les objectifs... détruit par essence le gameplay orienté vers l'interaction sociale. Ah ouais ? Ouais. Bon, c'est une théorie, ça peut peut-être se contredire, mais en tout cas, eux, si ils les opposent. Quoi. D'accord. En même temps, je suis assez d'accord, mais je pense qu'on peut... Les deux peuvent cohabiter, il faut juste savoir l'équilibrer, tu vois. Bref, on part loin. Il est 19h !
Clap de fin. Merci d'avoir été là, c'est un sujet super vaste. On n'a pas, en fait, je pense qu'il y a des gens qui sont venus en se disant on va apprendre à créer un univers. On vous a plutôt parlé de plein de trucs qui peuvent nourrir votre réflexion sur le sujet, mais j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on fait dans tous les lives sur la chaîne. Donc Ouais, c'est compliqué d'établir un manuel pratique parce qu'en fait chaque personne aura une façon différente de créer un univers. Quoi. Je vous mettrai quand même dans la description YouTube pour ceux que ça intéresse un exemple de bible. Enfin, de bible de worldbuilding, avec tout détaillé. J'ai un exemple aussi, moi aussi, si jamais. Ok, bah on vous mettra des trucs et vous aurez tout ça dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu maintenant que c'est fini. Pouce bleu. Et à venir sur le Patreon si la progression culturelle vous intéresse, mais de manière générale sur... En fait, j'en parle plus facilement sur mon Patreon que sur Discord parce que sur Patreon, je suis dans un plus petit groupe et donc je maîtrise mieux où ça va et je peux plus me permettre du coup de dire ce que je pense parce que c'est un sujet qui est vraiment pas facile et sur lequel on peut... Bah, t'es sûr que les gens ils sont là pour toi aussi. C'est ça. Et surtout, en fait, c'est un sujet sur lequel on tombe très vite dans le militantisme. C'est très difficile d'avoir un avis purement universitaire sur le sujet. Enfin, moi en tout cas, j'y arrive pas. Bref, des bisous à tout le monde. On se retrouve mercredi pour la libre antenne sur engagement politique et JDR. Donc en fait, on reste dans le thème. Et salut, ciao, à très vite.